Allez, c'est parti, un petit peu d'exercice physique. Allez, hop, hop. C'est bon, hein, c'est sûr. Je fais de l'exercice physique, je suis costaud, ma boulette! Je suis super costaud! Regarde, j'ai des poids, je les soulève comme ça, je fais. Oh, vas-y, montre-nous un petit peu! Non, t'es sûr? Putain, ouais, vas-y, allez! Putain, je suis fatigué! Allez, entraîne-toi là! T'as décidé de te mettre à la muscu? Oui! Bah, y'a du boulot! Ouais, c'est facile, c'est pas assez lourd ça, ma boulette! Il faut des gros poids! Parce que ça, c'est. Ah non, mais t'as déjà du mal avec des poids de 1 kg? Regarde, ma boulette! J'arrive! Non, t'es pas costaud. C'est pas costaud? Non, t'es pas costaud. Un petit peu comme regarde, du muscle là. Non, non, biceps, pas trop. Biceps, non. Un petit peu, mais vraiment. Ah, yeah. Costaud, yeah. Juste pour lever la fourchette, quoi, pour manger. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Non, mais là, tu suis pas très costaud. Bah oui, Papounet, t'es pas costaud. Mais je sais pas quoi faire, Papounet. Ça, c'est trop lourd, c'est pas amusant. Il faut se mettre à la muscu, Papounet. Ah oui, la muscu. Bah oui. Muscu. Faire de la musculation. C'est fatigant ça. Bah non mais Papounet, j'ai peut-être reçu quelque chose qui va pouvoir t'aider là, qui va te sculpter un corps de bodybuilder. C'est vrai? Bah oui Papounet. Être costaud, ouais. C'est quoi? C'est un jouet? C'est quoi? Ouais, c'est un jouet. Les petits copains de copines, restez bien sur cette vidéo, on découvre après le générique ce fameux jouet qui va me rendre super costaud. Super, allez, générique. Papounet. Je pousse pour faire de la place, mais bon, c'est un petit peu lourd. Non, t'abuses, c'est pas lourd, c'est 1 kg. C'est lourd, Papounet. Mais c'est vraiment pas musclé, il y a du boulot. Hein. Ça y est, voilà, les petits colis de copines, j'ai fait place. Je suis prêt à recevoir ce jouet, Papounet. C'est voilà, quoi? Voilà, Papounet, c'est un jouet très connu qui date des années 80. Ah, qui ressort. Tu vas le reconnaître tout de suite, mais à mon avis, je pense que t'en as jamais eu de ce jouet. Pourquoi? Parce que t'es pas musclé. Mais si, je suis musclé. Non. Tiens. Oh, regarde. Oh, regardez les petits copains, les petites copines. C'est Stretch Armstrong. Mais oui, Mamounette, je m'en souviens de ce jouet. C'est un jouet qui permet de se muscler en étirant les bras, les jambes, la tête. Il est complètement élastique, Monsieur Armstrong. Regardez les petits copains, les copines. Lui, il est costaud. Lui, il est pas comme moi. Et regardez bien, on peut l'étirer. Regardez. Oui, on peut faire des nœuds avec ses membres. C'est trop rigolo. À volonté, à l'infini, on l'étire comme ça. Pouf, bon, alors là, c'est la version originale, Papounet. Est-ce que tu nous l'ouvrirais pas? Oui, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Hein, que je suis costaud. Regarde, yeah, je suis costaud. Papounet. Je suis costaud. Quoi? Ouais, ça va, tu arrives? Je suis costaud. Tiens, sinon j'ai un ciseau. Non, je suis costaud. Non, mais j'ai un ciseau sinon, parce que t'es pas très musclé. Ouais, je vais prendre le ciseau. Tu vas te faire mal. Je suis pas si costaud. Coupe-lui pas la tête, hein. Non, non, c'est dommage. Ça y est, les petits copains de copine, ça fait un boucan d'enfer. Je viens de sortir Monsieur Muscle. Regardez, Mamounette, tu sais quoi? On peut le plier dans tous les sens. Oh, c'est trop rigolo. Donc c'est une matière toute molle. Regardez. Et je vais l'asseoir. Hop, avec juste une main. Regardez, ouais, il est posé comme ça. Ah, c'est génial, on peut lui faire prendre toutes les poses qu'on veut. Alors c'est assez... C'est pas léger comme jouet, hein. Donne-moi le. Par contre, si je lâche, tu vas te le prendre. Ah, tu crois? Non, ça va. Non, ça va. Hey, regardez les petits copains de copine. Je peux l'étirer à volonté et il claque pas, ma modèle. Regardez les costauds. C'est trop bizarre. Regardez les costauds. Je suis costaud. Regardez les petits copains de copine. Regardez. Ah, est-ce que tu as déjà vu une jambe comme ça? T'as vu, ça te fait forcer quand même. Ça te muscle un peu là. Ouais, mais j'adore. Et regarde sa patte. Ah ouais, regardez ça, les petits copains, les petites copines. Alors, et la deuxième? Ah non, fallait pas le lâcher. La deuxième. Ah, la deuxième. Regarde ce torse qu'il a. J'adore. Et en fait, il reprend tout le temps sa forme, c'est ça, Ouais, c'est ça. C'est le but du jeu. Je me muscle. Je me muscle. Ça ressemble même plus à un slip. Regarde. Ouais, j'ai un long torse et des petites jambes. Ouais. Regardez, c'est rigolo là, il reprend sa forme. Hey, regarde le nombre d'abdominaux qu'il a. Regarde le nombre d'abdominaux. Oh, c'est rigolo, regarde, on dirait qu'il est vivant. Parce qu'en fait, quand on tire et qu'on lâche, regarde, ça remonte. Ça fait forcer, hein, Papounet, hein, regarde. Ouais.
pote. Vas-y, pas poulet. J'ai pris du musc. Ah oui. Putain, con. Ah, oh, j'adore, je vais m'amuser pendant des heures. Tu peux faire des nœuds du coup quand c'est tout tu crois tiré là, ouais. A priori, ils y arrivent les enfants, tu devrais y arriver. Je vais faire un nœud. Comment on fait un nœud, ma manette? Ah, j'ai pas le temps. Attends. Ah, je les tire beaucoup. Et je fais un nœud. Il est hyper souple. Regarde, on dirait un yogi. Il est hyper lax. Oh, hyper lax. Oh, j'adore ma monnaie. Fais voir sa tête. Oh là là. En fait, il y a que la tête qui est en plastique dur qui peut pas bouger. Ouais. C'est trop rigolo. Bah ça, c'est une bonne idée. Ça permet de l'attraper. Je me fais des bisous de pied. Oh, ça sait faire, ma monnaie. Regarde, ça sait faire. Tu vois, j'ai un pied et je. Ah mais oui, mais moi aussi j'y arrive. Non mais attends. Bon, Mamounette, il est génial ce joueur. Ouais, j'adore. Trop sympa. J'adore. Bon, Papounet, ils sont pas arrêtés là chez Giochi Preziosi, ils l'ont décliné. Tiens. Ah merci, Mamounette. Et tu sais quoi? Je suis en train de penser à un truc. Ils vont pouvoir faire des combats. Des combats à rallonge. Alors, Superman et Armstrong. Ouais, bah alors tu sais quoi, Armstrong, on dirait que c'est un bandit, tu vois. Ah, j'ai volé la banque. Superman arrive. Oh là là, il est beaucoup trop loin. Comment vais-je faire pour l'attraper? Pas de problème. Je l'ai attrapé. Il aurait braqué une banque en slip. Il fait ce qu'il veut. C'est Armstrong, il fait ce qu'il veut. Attends, oh là là, il s'échappe. Je vais lui mettre un coup de pied. Et on pourrait jouer dans Street Fighter 2, ma monnaie. Oh, la jambe, comme ça. La jambe. Ouh, heureusement qu'il vole et qu'il a plus trop besoin de ses jambes. Non. Je vole. Oh mais regarde ça. C'est du grand n'importe quoi. Je t'attrape par la jambe. Oui, je disais, Mamounette, dans Street Fighter 2, il y en a un qui s'appelle Dal Slim. Et il arrive comme ça à allonger ses bras, ses jambes. C'est super dur pour le battre, celui-là, parce que de loin, paf. Et ben, ils auraient pu le faire, hein, Dal Slim. Ah, oh, mais j'adore. Alors attendez, petit coup de copine, j'en fais un dernier, hein, parce que. J'aime trop. Regardez, je lui tire. Oh. Mamounette, je lui ai enlevé sa cape. Je lui ai arraché la tête. Allez, remets-lui. Je suis tellement costaud. Alors ouais, l'avantage, c'est que hop, voilà. Mais oui. C'est reconnecté. Ça voudrait dire qu'on peut peut-être leur échanger leur tête. Oh. Je sais pas. Est-ce qu'on peut lui échanger la tête? Je sais pas. Bon, on verra après, petit coup de copine. Alors ça, c'est génial. Si on peut échanger les têtes. Oh. C'est quoi, Mamounette? Je vais découvrir ça. Donc, on a un catcheur, un DC Comics, et là, on va avoir un Star Wars. Oui. Tout va fait. Et je suppose, j'en suis même sûr qu'ils ont d'autres personnages de la licence. Hein. Oui. Oh là là, attends, tu vas Mamounette. Maintenant que je suis costaud. Oh, oh là là, celui-là, il est encore plus balèze, regarde. Ah oui, parce qu'il a son costume, donc ça lui fait des grosses pattes, quoi. Oh, il est lourd, celui-là. Oh, il est énorme. Oh. Il est beau, regardez les points qu'il a par rapport aux autres. Ouh. À mon avis, Boba Fett, il les bat tous les deux. Bah oui, parce qu'il est costaud, lui. Oh, tu me tapes pas. Oh, c'est extraordinaire. Oh, regarde. Oh. C'est presque de la pâte à modeler. Regarde qui a la plus grande main. Regarde qui a la plus grande main, regarde. Ah. Bon, regardez Boba Fett, regardez les petits couvées de copines. Je vais les tirer celui-là, regardez. Je suis costaud. Je vais le plus loin que je peux. Bon, ça reste un jouet pour les enfants, donc imaginez la... Non mais en fait, Papounet, il a pas de force. J'allais dire oui, mais Papounet, il y arrive. Avec sa grosse force, mais en fait, non. Non. Alors, celui-là aussi, c'est pareil, Mamounette, on peut les tirer. À volonté. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une grande patte. J'adore la tronche qu'ils ont après. Regarde ça, ma moulette. Oh là là, c'est génial. Ils peuvent faire du grand écart. Regarde. Ça, c'est un peu un truc pour faire de la muscu, quoi. Ouais, ah bah, ma moulette, j'ai adoré les petits comics de copines. Franchement, là, ils ont su décliner la licence originale pour donner des personnages, pour produire des personnages. Extraordinaire. Moi, j'aimerais que ce soit décliné en tout un tas d'autres personnages. Je sais pas, moi, par exemple, Goldorak de mon enfance. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait décliner aussi comme ça? Je sais pas, moi. Tout un tas de dessins animés actuels. Hein? Oui, le Roi Lion. Imagine le Roi Lion. Tu les tires comme ça, hop, ça devient une girafe. C'est hyper solide comme jouet. Hein, girafe. Du coup, hein? Oui, vous pouvez pas l'abîmer. Et est-ce qu'on peut lui enlever son masque à lui? Non, mais arrête de vouloir enlever les têtes. On peut pas, celui-là. J'adore les pattes. Je suis super grand. Oh, c'est génial. T'imagines, on aurait comme ça un tout petit dinosaure, tu vois. On les tire. Ah,
ça devient un giga dinosaure. Bon, Papounet vous donne plein d'idées, tu vois, qui plaît sur lui. J'adore, j'adore. L'original, en fait, c'était un catcheur à l'origine. Ouais, c'est un catcheur, ouais. Et puis, ouais. Ben, voilà, maintenant, ce sont des super-héros. Ouais, c'est trop cool. Bon, les petits copains de copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver tout ça en magasin ou directement sur le site. Hein. Donc, il y a plusieurs personnages. Là, on vous en a montré trois. Il y en a d'autres. Je vous invite à aller voir les autres. Je crois bien qu'ils ont Dark Vador aussi. Je crois bien. Je le veux, ma moulette. Trop cool. Bon, les petits copains de copines, en fait, gros bisous, likez, partagez, commentez. Moi, maintenant, regardez. Hop, regardez. Hop là. Alors, ma moulette, qui c'est le plus costaud, maintenant? Fais le pas tomber, quand même. Hop là. Il y a mon carrelage, Hop là. Alors, c'est qui le meilleur? Ouais, bah, c'est pas poulet, maintenant. Hop, regarde. Faut en acheter les plus gros, maintenant. Allez, on fait de gros bisous, petits copains de copines. À très bientôt. Je vais faire quelques pompes. Hein, c'est de la fonte.